Gallagher! Yep tout le monde, c'est Gotaillon, on se rejoint du pot, une nouvelle vidéo, un nouveau Sunday Log. Donc on est parti pour aller rager en Team Deathmatch. Oh, la partie n'a pas commencé. Oh, en plus c'est Fringe, on va pouvoir jouer au sniper. Attends, mais c'est trop beau pour être vrai, on a notre camo, notre viseur. Ouais, on a le Fusion Red, c'est pas le meilleur, mais on le prend parce qu'on se dit les gens l'ont pas, tout ça, Black Market, bref. On est parti aujourd'hui pour un Sunday Log. Alors déjà, je vais commencer par une petite parenthèse, le montage d'Advanced Warfare, beaucoup de personnes me demandent pourquoi il est toujours pas sorti. De base, il était prévu pour décembre, enfin, il était en quelque sorte prévu pour décembre. Mais voilà, c'est pas mon ressort les potes, faut savoir un truc, c'est que moi je ne suis pas éditeur, c'est-à-dire que je passe mes clips, etc. Il m'envoie ce qu'il a commencé à faire, etc. Je lui dis mon avis par rapport à ça, ce qu'il faudrait changer, etc., etc. Mais c'est lui, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a eu les fêtes dernièrement. Lui en plus il habite en Australie, il y a plein de choses qui se passent dans sa vie, bref, on va pas non plus épiloguer dessus. Et du coup bah ça va sortir en retard, donc sûrement en février, mars, ça se trouve plus loin, j'en sais rien. Mais faut se dire un truc, c'est que de toute façon, perdu pour perdu, j'ai envie de vous dire, il devait. À partir du moment où il sort pas avant Black Ops 3, de toute façon qu'il sorte en décembre ou en février, bah, ça revient un peu au même. De toute façon, Black Ops 3 est déjà sorti et c'est un peu out of game. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Ah non, s'il vous plaît, me faites pas ça. Ah non, s'il vous plaît, me faites pas ça, focusz que la. Ah ouais, ils vont faire, ils vont. La gauche. On loupe nos balles, comme d'hab. Ensuite, hop. Bien sûr Tango, bien sûr. Là on fait un jump et on te tue. T'imagines? Ça aurait pu être stylé. Oh, c'était pas non plus une balle trop dure je pense, mais c'est vrai qu'avec le viseur qui bouge tout le temps. C'est quoi, on va les attendre un petit peu. Et bref, du coup bah voilà, il sortira, il sort pas tout de suite parce qu'en ce moment voilà j'ai pas mal de questions par rapport à ça, donc je préfère vous. Ça campe pas trop toi, ça va? Pourquoi je loupe ces balles moi? Pourquoi je loupe ces genres de balles? C'est un peu chiant là de louper toutes ces balles, on est en Sunday Log, on n'est pas. Voilà, hein, ça serait bien de pas louper de balles et faire genre on est trop chaud au sniper, non? Non? T'attends pas à mon snipe de faire ça? Voilà, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, on continue. Là, on est sur le wall, on jump. Ok, 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 j'ai vu tous les points, je me suis dit putain sur qui tirer, c'était un peu la crise. Bref, déjà c'était la petite. La première petite information, bon faudrait pas qu'on commence à se faire tranquiller non plus hein. Hein, ça serait bien de garder sur cette dynamique où on fait des kills, tout ça, on jump, on met des balles de snipe. Ah bref, vous connaissez la routine. Là je pense, vous savez quoi, on va rester là. Lâchant qu'il y a du grabuge à faire, du grabuge, ce mot n'a pas été utilisé depuis 1975. Ok, un gros hard scope, comme on les aime. Ça contourne pas, je sens que ça va contourner mais on sent. Ah non, d'accord. On est trop chaud. Oh, cette balle. Oh non, ouais, franchement, avoue, elle était stylée. Ok, c'est de l'arscope. Je veux bien, non, parce qu'il y a toujours des gens qui sont là. Ouais, tu mets des balles, mais c'est pas du flashcop. Moi, je ne regarde que les balles en flashcop. Les gens comme ça, ils sont un peu relous, tu vois. Ils croient qu'on est un sniper chaud de lurette, tu vois, et qu'on met tout le temps des flashcops de ouf. Non, 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 non. Non, non, nous on a un mec, on a un joueur compétitif, un joueur compétitif ça hardcope tout le temps les gars. T'assures la balle. Ok, on prend le gun. Ok, il y en avait un autre à droite. Oh non, là je m'en remets pas de cette balle. Oh non, mais elle était bien en plus, c'était pour une triple en plus. Non, franchement, les gars. Les gars, franchement, la musique de John Cena serait passée en même temps, ça aurait été parfait. Attendez, attendez, parce qu'il y a encore un fils d'ab qui contourne. On va recharger tranquillement. On va contourner. Pouh! Papa la pop! Papa la pop! Papa la pop! Papa la pop! Pff, là, 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 je sais pas ce qui se passe là, les gars, mais on est trop chaud. Ah non, mais on arrête de parler du coup. Ah là, là, ça va être juste. Et voilà, faut qu'on loupe des balles tout le temps quand on est. Oh, putain, on a failli remettre la même. On a pas tiré, mais on a chanté qu'on avait failli. C'est une position assez étrange, toi. Hop, on reprend l'annihilateur. L'annihilateur, ça compte comme du snipe, hein. On est d'accord? Là, hop. Ok. Oh non, je suis content. Oh, je suis content, là, de ce qu'on est en train de mettre, là. Ah, oh, je suis content du beau jeu qu'on est en train de produire.
Oh, ça a pas tiré, putain, on avait pas de balles. Oh, oh, je sentais la collate. Ah non, mais là tu sais, ce genre de game, en plus, quand t'as mis ce genre de balles, après, tu tentes tout. Tout passe. Tu dis que tout va passer. Et du coup, t'as confiance en toi. Et quand t'as confiance en toi, bah, les balles passent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Attendez, parce que là, attends, faut qu'on finisse ce qu'on a commencé là. Ah non, mais faut qu'on finisse là, les gars. Oh non, pourquoi je loupe ces... Des fois, il y a des balles simples, par contre, que je loupe, mais tellement comme un nul. J'arrête pas de me répéter par rapport à ça, mais... Ah, oh, c'est relou, parce que, tu sais, ça gâche un peu le truc. Tu vois, on est chaud, et du coup, on tente d'autres choses, et... Par contre, là, il y a un lance-flamme. Là, on a un petit peu peur. Donc, du coup, on scope derrière nous, comme ça. On a pas une position très, très bonne, là. Donc, on prend le petit gun, comme un lâche. On fait un double petit gun, comme un lâche. Là, il y a un archer qu'on va tuer, voilà. Comme pas un lâche. Voilà, parce que là, c'était pas un kill lâche. Ok, toi, on t'a eu, je m'en bats les couilles, on t'a eu. Faudrait rester au-dessus de 4 de ratio. Non, mais attends, là, je suis... Hey, les gars, là, on est bien, là. Là, on est bien, là. Attends, lui, il a failli me tuer à droite, là. Oh, putain. Il y a du beau jeu à faire. Il y a du putain de beau jeu à faire. Ok, c'est fini, plus de beau jeu. On va recharger parce que on peut enchaîner pas mal de kills là. On sait qu'on peut enchaîner pas mal de kills. Oh, il y avait. Je voulais me focus pour la collate. Quoi? Non, il y avait collate. Bref, on les a déchirés. Oh, je suis content, on les a quand même déchirés. Là, tu vois, on était dans un. Bref, reprenons ce qu'on voulait dire. Donc, par rapport au montage, ça va pas, c'est fait. Maintenant, on va passer au site web. Donc, faut savoir un truc sur le site web, c'est que j'ai déjà un site web créé depuis plus de 2 ans, pour ceux qui sont pas à la page, gotaga.tv. Donc, qui est assez professionnel, je vous le cache pas, dans le sens où. C'est professionnel dans le sens où voilà, c'est esthétique, c'est machin, etc. Si vous voulez des informations sur moi, vous avez tout de suite. Donc, ça fait un petit moment qu'il a pas été mis à jour par rapport au sponsor. Attendez, parce qu'on va faire la petite pelle là, la petite pelle, dégagez les noobs. Allez, dégagez, remballez. Bref, et du coup, il va être mis à jour, c'est à dire qu'il va y avoir une nouvelle version tout à fait différente qui va ressembler plus à celle des streamers. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le site de Domingo, le site de Coro Bizarre, de Zerator, tous ces streamers un peu connus, etc., je trouve que c'est vraiment fonctionnel pour les viewers, fonctionnel pour la communauté qui les suivent. Et du coup, je vous cache pas qu'on est parti un peu sur ce principe là, donc on reste joueur compétitif, etc. C'est à dire qu'on veut pas devenir streamer ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça, en fait, notre site, certes, il y a ce côté professionnel ou c'est esthétique, etc., mais il n'y a aucun côté fonctionnel pour vous, tu vois. Il n'y a même pas le système de newsletter ou quoi. Alors que là, en fait, on va faire vraiment un site. Donc, quelqu'un qui bosse dessus, c'est celui qui a fait le site de Domingo d'ailleurs. Et du coup, ça va être un. Attendez, on va revoter Fringe. Ah non, on était trop chaud. Bon, après, il y a pas mal de niveaux prestige 0, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'on les a autant défoncés. Attendez, on va vite fait voir qui était en face. Non, Léon Fux était avec nous. Des tangos, ouais, après c'était du chicken, c'est vrai qu'après c'était du chicken, donc pas non plus, voilà, mais on est quand même content. Ah, ils veulent plus jouer Fringe. Ah, ça y est, ils en ont marre. Bon, pas grave, tant pis, c'est pas grave, on jouera la prochaine map qui aura, bref. Et du coup, on va partir sur une nouvelle version comme ça, donc je sais pas exactement quand est-ce que ça va sortir, je préfère pas vous donner de date pour éviter un peu comme la même question du montage de Sarah Far. Pourquoi c'est toujours pas sorti tout ça? Mais voilà, c'est histoire de... une petite mise en bouche, si je puis dire, tu vois. Une petite mise en bouche, histoire de vous tenir au courant de... Tu sais, c'est un peu de foie gras, tu vois, là je vous donne un petit peu de foie gras, genre, regardez, c'est bon. Mais pas trop non plus, prenez-en pas trop, tu vois, un tout petit peu. Donc c'est histoire de vous tenir au courant, comme ça vous le saurez. Et puis j'espère que vous apprécierez. Donc je pense qu'il y aura moins ce côté esthétique, du coup, moins ce côté professionnel. Enfin, si d'un côté ça fait professionnel aussi, mais voilà, ça sera un genre complètement différent. Et du coup, ça sera vraiment. Je cherchais vraiment ce côté fonctionnel pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai préféré citer directement les sites comme Domingo, Zerator, etc. Parce que ça va beaucoup ressembler à ce genre de site, à ce thème-là. Et je préfère vous préciser que plutôt vous dire bon, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Un jour, je me suis levé, j'ai une idée de génie. Vous refaire un site où il y aura mon live directement dessus, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Non, je voulais quand même, voilà, bref. Et du coup, c'était histoire de vous tenir au courant, et pour l'instant, il y a déjà une extension qui est mise en place, donc pas pour le site web, donc l'extension plus tard ramènera au site web gotaga.tv, mais pour l'instant, il y a une extension que vous pouvez télécharger pour Google Chrome, donc ça sera disponible, bien entendu, sur Mozilla, Internet Explorer, je sais pas trop, si vous êtes encore sur Internet Explorer, les gars, c'est que vous êtes un petit peu en retard, tu vois, c'est genre vous prenez des collates sniper tout le temps, c'est genre vous êtes dans le passé, tu vois, vous êtes toujours en train de jouer à Call of Duty 2, là, tu vois ce que je veux dire? Non, faut pas. Bref, Mozilla sera disponible prochainement aussi, mais pour l'instant il y a le lien Google Chrome qui est disponible, regardez dans la description, donc il y a le lien, ou sinon vous allez sur le Google Store en quelque sorte, et vous pourrez télécharger l'extension pour Chrome. Donc il n'y a aucune pub, il n'y a rien du tout, hein. Cette map elle est bien, parce que... et putain, ils nous donnent des maps aux snipers, ils veulent que notre Sunday Log se passe bien. Ouais, j'ai l'habitude de dire ça, j'ai l'habitude de recommencer mes Sunday Log et dire bon, Sunday Log c'est mal passé, on recommence. Ah non, par contre ça va être chiant là, ça va être chiant, les mecs jouent fantôme ou pas, m'en bats les couilles frère.
Non, si, je m'en bats pas les couilles en vrai, mais. C'est peut-être déjà passé derrière moi en fait. Pas grave, on s'en fout. On s'en fout. On va recharger, on va tenter de recharger. Et du coup, voilà, donc il sortira prochainement, mais en attendant, il y a l'extension donc. Nice, on enchaîne, là on est chaud les amis. On est chaud de la night, si je puis dire. Bon après on n'est pas trop flash cop, je vous cache pas que nous on n'est pas trop flash cop, on est encore dans le hard scope. On n'a pas encore le vrai niveau d'antan au sniper, tu vois, il y a beaucoup de... Allez ta gueule, allez ta gueule. Bon, c'est vrai qu'on est chaud quand même. On va prendre le petit gun pour lui. Ah d'accord, petit gun ou pas, il nous met un headshot, je sais pas. Pff, tranquille, tranquille, pas de soucis frère. Pas de soucis. Attendez, attendez, parce que je crois qu'il y a un mec là. Ok, notre pote, normalement. C'est cover, hein, je dis bien normalement. Et bref, bah du coup, ça va sortir dans pas longtemps. Donc, c'était histoire de vous tenir au courant. Et pour l'extension, bah déjà, vous pouvez déjà la télécharger pour Google Chrome. Donc, le lien, comme j'ai dit, ou le Google Store, comme j'ai déjà dit. Oui, je sais, je me répète là. On est au sniper, du coup, on se répète beaucoup. On n'est pas trop focus dans ce qu'on dit. On est plus focus à enculado les adversaires. Bah là, on va se faire enculado pour le coup. Non, 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 parce qu'on a la gâchette facile. Vous voyez ce petit doigté là? On a le doigté, on a le doigté. On est là, on est présent. Je sais pas trop où sont les spawns. On est en 6-1. Bon, c'est pas ouf. Enfin, dans le sens où on a pas fait tant que ça de kill. Mais voilà, on en remet quand même la poune. Donc là, on va faire un petit jump, on va tuer personne. Ensuite, là, on se prend une grenade. Suivi de quelques balles. On est toujours en vie, on sait pas trop comment. Là, on fait le petit double Y histoire de. Là, on scope. Il va arriver, il va arriver. Je vous dis, il va arriver. En 1, 2, 3. Qui con, regarde. Lui s'en bat les couilles de nous, hein. Lui depuis tout à l'heure on lui tire dessus, il s'en bat contrairement les couilles. Ah ouais, toi t'es un lâche, toi t'es un lâche. Ça c'est la lâcheté les amis, ça c'est la lâcheté. Tant pis, tant pis, tant pis. Là on est toujours avec un mini sniper, on l'appelle l'annihilateur. Mini sniper, tout ça, en plus je fais des rimes. Il y avait un snipe là. Il y avait un snipe, mais est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles? Il est là. Oh, si on avait mis la balle, si on avait mis la balle, ça aurait été le beau jeu. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, ouais, voilà. Donc, quand mon live sera en live, le petit logo passera en rouge. Quand je ne serai pas en live, il sera grisé, tout simplement. Et quand, du coup, je passerai en live, vous pourrez normalement cliquer dessus. Donc, c'était peut-être pas disponible tout de suite, mais ça le sera, vous inquiétez pas, il y aura les mises à jour, etc., etc. Et du coup, bah, vous pourrez vraiment voir la différence. Pour surtout ceux qui me suivent sur YouTube, en fait, surtout pour ça, et même pour tout le monde en général, hein. Mais ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, bah, la plupart du temps, ils sauront quand je suis en live. On voit vraiment rien quand le mec est en sang-froid, hein. C'est dingue. Tant mieux d'ailleurs, hein, tant mieux. Hein. Sinon ça rendrait forcément le truc inutile, mais c'est clair que ça rend la chose compliquée. Oh putain. On commence à mourir là, c'est pas bien. Eh, t'as cru que t'allais nous spoon trap, toi peut-être. Là on y va, forcément. Comme un bonhomme quand il est de dos. Allô. Le doigté magique. Le doigté magique en long shot. Ah, plus de balles, plus de balles, plus de balles. Tranquille, tranquille. Du coup, bah, n'hésitez pas à la télécharger. Comme j'ai dit, il n'y a aucune pub, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Vous devez aller sur des sites particuliers ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un truc simple. Vous pouvez la télécharger tranquille. Et puis voilà, tout simplement. Et c'est surtout, comme j'ai dit, pour les gens qui me suivent, qui n'ont pas les réseaux sociaux, qui trouvent ça inutile, parce qu'il y a beaucoup qui sont encore en mode old school. Je critique pas, hein, qui n'aiment pas trop les réseaux sociaux, qui n'y sont pas beaucoup. Là, du gros scope comme on les aime, les gars. Et du coup, bah, avec ça, bah, vous pourrez naviguer tranquillement. Et dès que je serai en live, vous aurez déjà une notification. Attends, parce qu'il y a un mec dans le. Qu'est-ce qui s'est passé? Allo? Ok, ok. Tu nous? Tu veux pas nous suivre? Ok, t'es passé à gauche. On a tenté, on aurait pu prendre le petit gun et faire. Ah, par contre, on est en train de perdre. Ah, oui, on est le seul à jouer là. Là, on s'est chopé tous les nous dans notre équipe. Très bien. Très bien. Très bien. Attendez, faut qu'on se focus un petit peu. Ok, ça passe derrière nous. On va le contourner, le mec est passé derrière nous. On contourne son contournement. Voilà, on sauve notre pote. Là, on prend l'annihilateur. Oh putain, on a eu. Quand tu sais pas sur lequel tirer, du coup, tu tires entre les deux, c'est déception. C'est déception quand même. Hein, on se le cache pas. Il y avait un autre mec là. Est-ce que tu l'as tué, frérot? Je crois pas. On peut revenir, faut juste que nos potes arrêtent de mourir s'il vous plaît. Et nous faut qu'on arrive à ne plus mourir et faire 10 millions de kills d'un coup. Pas comme ça tu vois,
Bon, après, on s'est pris un tir croisé par nos potes. Regardez le nombre de personnes. Ah, d'accord, ils sont tous morts d'un coup. Ils sont tous passés pont, mais on avait aucune cover. Genre, ils sont tous passés pont, mais le mec a pu nous tuer du pont tranquillement, quoi. C'est genre. C'est normal, la routine, j'ai envie de vous dire. Les covers des potes, toujours un grand. Une grande histoire d'amour. Donc là, on va perdre. Est-ce qu'on peut faire quelques kills avant? Attendez. C'est pas fini. Il en reste un kill à faire, mais. C'est fini! Putain, désolé les potes, c'est moi qui ai derrière. Bon, on est en 3 de ratio, ça passe encore. Donc voilà, c'est surtout histoire de vous parler de ça, de cette extension les potes. Aussi un autre truc, le match que je vous avais dit dans le dernier Sandalog, qu'on devait jouer Millennium Pulse, etc. Ça a été décalé, comme vous le savez. Il y a eu des bugs de serveur qui nous ont empêché de jouer pendant 2 jours entiers limite. Et du coup, bah, CWL a préféré retarder les matchs. Donc pour ceux qui... Parce qu'il y en a beaucoup qui suivent que... les vidéos YouTube, du coup, ce n'est pas perdu, vous inquiétez pas, les matchs ont été décalés à cette semaine, donc mardi, on joue Millennium, pour ceux qui veulent voir, donc la meilleure équipe d'Europe, et mercredi, on joue l'équipe Pulse, une équipe française qui s'est qualifiée, l'équipe d'Agonie, Azox, etc. Je pense que vous les connaissez, forcément, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et voilà, mais c'est surtout sur l'extension que je voulais apporter, je voulais vous parler, parce que c'est quand même un tournant majeur, si je puis dire, dans ce côté communication avec ma communauté, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'essaie d'employer des termes, tout ça, bref, et du coup... Donc le lien est dans la description, donc ce sera le premier truc, ou sinon bah, vous allez sur le Google Store, vous téléchargez, et puis elle sera mise à jour régulièrement. Donc là c'est la version alpha, si je puis dire, de l'extension, c'est au moins déjà pour que vous commenciez à l'avoir, et si vous avez des retours par rapport à ça, la changez, et puis voilà tout simplement. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, si vous avez aimé en tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, et n'hésitez pas à la télécharger, ça me fera plaisir, comme j'ai dit il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'entre-loop derrière, c'est vraiment pour ce côté entre vous et moi tout simplement. Attends j'ai dit vous et moi, ouais bref, Gotaga des fois il fail, et puis voilà, tout ce que j'avais à vous dire, sur ce je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les potes, je vous aime, tchuss.